bienvenue. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de cette petite carte. Alors, si vous suivez bien les étapes, vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous pouvez même le faire avec des enfants, ne serait-ce que pour coloriser les petites fleurs. Alors, tous les produits viennent de chez Action. Tous les dies. Alors, je me suis servi de dies pour le cœur, forcément, et pour le rond. Bon, ça, c'est des petites découpes. Bon, après, moi, j'ai fait la déco comme ceci. Vous pouvez très bien, sur le devant de la carte, faire une autre déco. Ça, c'est à votre imagination et à votre goût, forcément. Pour réaliser cette carte, je me suis servi de ce bloc. Alors, je l'ai trouvé à Action hier. Je trouve qu'il est formidable, surtout pour faire des cartes. Ce sont des papiers qui sont tout en relief. Alors, j'en ai pris plusieurs et pour faire cette carte, j'ai pris celui-ci avec les coloris. Alors, j'ai pris le rose, le jaune et le vert. Et il y a aussi du blanc. Donc, j'ai pris blanc, rose, vert et jaune. Pour la base de carte, vous allez couper un rectangle comme ceci de 21 cm sur 13,5 cm que vous allez plier en deux. Alors là, c'est votre base de carte. Pour coloriser les fleurs, alors je les ai fait un petit peu en avance. J'ai utilisé, alors je ne sais pas si vous les avez vus à Action, ces petits boîtiers d'encre. Alors pareil, hein, il y en avait à peu près dans tous les coloris. Au niveau du prix, je ne pourrais plus vous dire parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés, mais c'est vraiment minime comme prix. Donc, je me suis servi de ces encres pour coloriser mes fleurs. Pour la déco, alors nous allons faire la déco de la carte avant de faire les petites fleurs. Pour la déco, je vais ancrer ici tout le tour de la carte. J'ai découpé des petites bandes ici, voilà, dans les papiers colorés de différentes couleurs. Alors, j'ai découpé deux petites bandes de 1,5 cm sur 5,5 cm. Les trois jaunes font, toujours sur 1,5 cm, 4,5 cm. Donc forcément, pour faire ces petites choses, je ne me suis pas servi de taille. Il suffit simplement de couper. Comme ceci. Et les deux petits derniers ici font toujours 1,5 cm sur 3,5 cm. Ces petites bandes, je vais venir les coller en dessous, ici sur le bas de la carte.
Voilà pour la déco de la carte. Alors je vais la mettre de côté et maintenant nous allons faire les petites fleurs. Pour faire les petites fleurs, vous avez besoin de 7 carrés de 7,5 cm sur 7,5 cm. Alors vous découpez dans du papier pas trop épais. Hein. Moi j'ai pris du 160 g mais franchement c'est pour moi c'est un peu trop épais. Si vous avez du 120 g, ça serait vraiment formidable. Donc vous allez prendre votre carré, vous allez le plier une première fois en deux. Vous allez le replier une seconde fois, comme ceci. Et encore une fois, voilà, de la pointe, vous rejoignez la pointe. Ça doit vous donner ceci. Alors, vous allez le poser, donc vous allez le poser comme ceci, hein. Ça s'ouvre. Vous voyez, ceci, vous avez votre pointe là, vous le déposez comme ceci. Alors, surtout, ne vous trompez pas de sens. Vous allez prendre, alors moi j'ai pris une pièce de 1 euro que je vais positionner comme ceci. Et je vais tracer, voilà, au niveau de l'arrondi, ici, de la pièce. Ensuite, forcément, je coupe. Et ma fleur est formée. Voilà. Donc vous devez en avoir 7 comme ceci. Alors essayez de les avoir au plus régulière possible pour voilà pour que au collage ce soit quand même plus facile. Une fois que vous avez fait ceci, il va falloir forcément coloriser toutes vos fleurs. Donc je vais vous faire voir à peu près comment j'ai procédé. Alors moi j'ai fait comme les enfants, hein. J'ai fait avec mes doigts. Alors voilà pour la colorisation, alors vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi très bien les faire avec des crayons de couleur ou autre, avec des feutres, hein. Ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai choisi cette technique là, vous faites vraiment comme vous voulez, vous pouvez même faire colorier vos fleurs par vos enfants, hein.
Si les mamies préparent des petites, si les mamans, excusez-moi, pas les mamies, elles vont pas se faire des cartes à elles-mêmes. Si les mamans veulent faire une petite activité avec les enfants, voilà, vous pouvez faire coloriser les fleurs par les enfants. Alors ensuite, lorsque vous avez terminé de faire la déco de votre fleur, vous allez venir découper ici au niveau du pétale. Alors vous en enlevez qu'un. Voilà, j'en ai enlevé un. Ensuite, vous allez coller. Donc, vous mettez de la colle ici. Et vous collez. Alors, vous faites ceci sur vos 7 fleurs. Alors, j'en ai fait des roses et j'en ai fait des bleus, un peu pour suivre avec ma déco. Vous allez replier toutes vos fleurs comme ceci. Alors, vous en prenez une et nous allons coller. Alors, pour coller, vous allez mettre de la colle ici et ici. Alors, vous mettez seulement une pointe de colle. Vous reprenez une fleur, vous la tenez comme ceci. Et vous allez la coller ici. Vous en prenez une autre et vous allez la coller de la même façon, mais dans l'autre sens. Ensuite, vous allez mettre de la colle. Alors, que ce soit bien collé. Ici, ici et ici. Alors vous mettez 3 pointes de colle. Vous reprenez une fleur et vous allez la positionner comme ceci. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici, ici, sur cette partie-ci et ici. Vous reprenez une fleur, vous mettez votre colle. Et vous allez recoller comme ceci. Vous en prenez une autre et vous faites la même chose de l'autre côté. Pour la dernière fleur, vous allez mettre de la colle ici, ici et ici. Vous reprenez la dernière, vous mettez vos points de colle et vous allez la disposer comme ceci.
vous allez reprendre votre base de cartes. Alors, vous l'ouvrez. Vous prenez ici vos fleurs. Vous allez déposer de la colle. Alors, on va commencer par l'autre côté. Au milieu, ici. Alors, vous mettez toujours un point de colle. Et vous allez positionner, en centrant bien, votre fleur comme ceci. Donc vous la mettez ici au long de la ligne de pliure. Vous la disposez comme ceci. Vous mettez toujours un point de colle ici au milieu. Et vous allez rabattre ici votre carte. Alors forcément, avant d'ouvrir, vous attendez bien que votre colle sèche. Une fois que c'est bien sec, vous allez pouvoir ouvrir. Voilà, et votre carte est terminée. J'espère que ça ne vous a pas paru trop compliqué. Alors j'espère que cette carte va faire une heureuse. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt.